Dans une vision de développement au compte de formation. Et donc pour cette table ronde, nous avons cinq speakers qui nous font l'honneur de participer et de venir partager leur point de vue avec nous. Donc Jérôme Bourron, directeur du projet compétences à la direction de la formation professionnelle du groupe de la Caisse des dépôts. Audrey Bérochaud, directrice formation et développement des compétences dans les territoires chez Pôle emploi. Pierre Courbevas, président de la Fédération de formation professionnelle. Yves Hinquin, directeur général du réseau Calia. Et Jérôme Elhardy, qui est cofondateur du LAVRH. Alors Jérôme, je vais vous poser, pour débuter cette table ronde, est-ce que vous pouvez nous partager avec nous la feuille de route que la Caisse des dépôts a aujourd'hui par rapport à la mise à disposition du compte de formation, et puis également quelles sont les actions que vous avez mises en œuvre pour une utilisation par le plus grand nombre de la plateforme, et comment cette plateforme va contribuer à la reconnaissance des compétences de chacun, et en particulier pour les moins qualifiés, qui est le public qui intéresse le plus important. Merci. Alors avec ces seules questions, on pourrait être à plusieurs heures, mais j'ai acquis auprès de Mathias Dufour 3 minutes de plus, puisque, comme beaucoup ont parlé du CPF aujourd'hui, il m'appartenait de répondre un petit peu aux différentes interrogations formulées. D'abord, puisque le panel est a participé à un peu de solennité, c'est toujours une émotion un peu particulière pour quelqu'un qui travaille à la Caisse des dépôts d'arriver à l'Assemblée nationale, puisque c'est sous l'autorité la plus spéciale, la surveillance et la garantie la plus spéciale du Parlement, que notre institution est placée depuis plus de 200 ans, et depuis la loi Pacte. Donc nous voilà fiers, ici rassemblés quelques collaborateurs, d'être dans la maison du peuple, comme nous disons nos représentants. En plus de cette déférence, trois points de modestie. Le premier, c'est que nous réalisons avec mon compte formation le service après-vote de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel comme opérateur pour le compte de l'État, et donc le législateur, le gouvernement et l'opérateur, chacun à sa place. Deuxième point de modestie, pour avoir lu la note blanche de hashtag le plus important et pour avoir, j'espère, suivi avec attention les travaux de l'après-midi et les prises de parole, le degré d'attente que vous avez formulé à l'égard d'un dispositif renaissant est assez élevé, et donc on va essayer de répondre modestement aux attentes les principales avant d'apporter des couches de valeur supplémentaires au fil des itérations. Troisième point de modestie, pas vocation à présenter la Caisse des dépôts sur l'ensemble des activités, mais néanmoins, vous abordez quelques réflexions et propos qui, j'espère, illustreront notre sujet. Énergisante déférence, donc, et puis ambitieuse modestie, j'espère que ça fera de la matière pour notre conversation. D'abord, parce que je les entendais rappeler au cours de la journée, se dire que la loi de laquelle nous parlons, elle pose deux axiomes humanistes qui me semblent importants. L'autonomie, tout individu est porteur d'une forme d'autonomie qui fait sa fécondité sociale, et puis l'accompagnement. Certains, jeunes ou moins jeunes, moins qualifiés ou plus qualifiés, structurellement ou conjoncturellement, peuvent avoir besoin d'accompagnement. La loi, elle est posée sur ces deux axiomes humanistes, et j'aurai à cœur de m'appuyer sur ça pour parler ensuite de mon compte formation. J'ai d'abord agrégé pas mal d'études pour essayer d'être sérieux face à vous, et écrit 12 pages, et puis ensuite je me suis dit que je vais me concentrer sur quelques mots-clés. J'avais préparé une petite présentation en PowerPoint, mais j'ai décidé de ne pas vous la montrer pour essayer que la correspondance soit plus naturelle.
Et donc, les quelques mots-clés retenus sur le sujet, ça pourrait être inclusion, certification, simplicité, innovation, personnalisation, strategic workforce planning, skill data management, confiance, numérique, autonomie, parcours, service. Voilà, vous avez 10 minutes. Si on voulait vraiment être précis, on pourrait consacrer beaucoup de notre temps et notre intelligence collective à définir ces objets. Arrivez-vous de les enjeux. Je travaille juste à structurer le propos en trois temps rapides, si vous le voulez bien. Le premier autour des enjeux d'inclusion numérique. Le deuxième autour des enjeux de service, puisque c'est la partie de la question posée. Et le troisième autour de la prospective, donc ce qui arrivera au-delà du livraison d'application en novembre 2019. Le premier, c'est que, vous le savez, nous adressons à 33 millions de personnes, 33 millions de personnes qui ont un compte ouvert à la Caisse des dépôts, et 8 millions de personnes qui ont déjà activé leur compte. Ça nuance déjà quelques propos un peu rapides, peut-être, sur le fait que le CPF ne serait connu de personne. Avec 33 millions de comptes et 2 millions de dossiers déjà depuis 2015, le dispositif me semble déjà avoir une petite notoriété. Mais il nous faudra veiller à la développer. Dans votre question, il y a aussi le sujet de qui est inclus numériquement et qui en serait exclu. Sujet difficile, hein, pour avoir regardé les études de France Stratégie, du Conseil national numérique et d'autres. On pourrait s'attarder à dire qu'il y a 14 millions de personnes exclues, ce qui, du coup, si on les soustrayait un peu rapidement, des 33 millions ferait beaucoup de gens. Mais dans ces 14 millions, il y a des personnes en situation de retraite sans cumul avec l'emploi, il y a des jeunes de moins de 25 ans. Donc on peut plutôt regarder une autre étude qui est celle de. Enfin, qui est une partie de l'étude du Conseil national du numérique, donc de l'ancien secrétaire d'État au numérique, qui postule que 85% des personnes en France ont accès à un ordinateur connecté à Internet au domicile. Et 73% des personnes en France ont un smartphone connecté à la 3G ou à la 4G. Ça nous permet, entre nous, là, ici, hein, déjà, de se dire que la totalité de la population n'est pas exclue du numérique. Ça ne dispense pas pour autant de regarder les personnes qui seraient en situation d'exclusion. Sur la démarche en ligne, 67% des Français qui ont réalisé en 2018 au moins une démarche en ligne. Et là, on voit tout de suite des disparités qui apparaissent. 90% de ces personnes, enfin 90% chez les diplômés supérieurs et 30% chez les non-diplômés. Donc ça commence à toucher du doigt une partie de votre question du jour qui est-ce qu'il y a des disparités entre les moins qualifiés et les plus qualifiés? La France, on pourrait avoir tendance à goûter au French bashing, elle est tout de même 9e au rang européen, sur 28 donc, des pays pour lesquels les personnes réalisent des démarches numériques en ligne. C'est ce qui nous fait anticiper, comme opérateur, mettant en œuvre la loi, que réaliser une application mobile pourrait avoir du sens, y compris sur le sujet de formation. Néanmoins, 1,5 million de personnes de 16 à 65 ans en situation d'illettrisme, le chômage des personnes en situation de handicap est plus élevé, deux fois plus fréquent que dans d'autres catégories de population, et puis 65% des personnes en France profitent peu ou pas des bénéfices du numérique. À chaque fois, je pourrais vous donner les sources après. Donc, il y a tout de même une forme d'inclusion numérique et de compétences numériques assez forte dans notre pays, il faut l'avoir en tête, mais des situations d'exclusion ou d'éloignement ou de non-bénéfice de la totalité des sujets. En 2000, l'OCDE posait les prémices de la littératie numérique, hein, c'est ce dont parlaient certains intervenants juste avant. Pour favoriser, au-delà des compétences numériques, l'accès au numérique, qui est un deuxième sujet de votre question encore, l'accès au numérique, ne pas oublier qu'il y a un plan d'investissement dans le très haut débit en France, dont il se trouve que le groupe que je représente aujourd'hui a un petit rôle à jouer. Il y a auprès du Conseil national numérique et de la stratégie nationale numérique des kits aidants, des dispositifs comme PIX, à l'instant rappelé, le CLEA numérique, une expérimentation étupartant pour faire en sorte que les étudiants aident les plus âgés à se tourner vers le numérique. Il y a un PIA, un plan d'investissement d'avenir sur le numérique, et il y a un certain nombre d'autres dispositifs qui permettent, au-delà des compétences, l'accès au numérique. Ayons en tête, enfin, pour clore ce sujet-là, que le numérique a un ROI, un retour sur investissement. WeTechCare et Capgemini ont fait une étude récemment qui disait que l'ensemble des personnes étaient formées au numérique, on pourrait gagner sur 6 ans, on pourrait gagner sur 4 ans, pardon, plus d'1 milliard d'euros de retour d'investissement positif associé à une dépense de formation.
Voilà, simplement pour rappeler, avec un peu de précision, je l'espère, quel est le sujet de l'inclusion de l'élection numérique et de l'intérêt d'avoir une application mobile. Pour celles et ceux qui néanmoins n'auraient pas dans leur territoire ou dans leur poche l'accès au numérique, rappelons qu'il y a les maisons France Service. La présidence de la République a annoncé qu'elle serait présente dans chacun des 2000 cantons en France, et donc que ces endroits pourraient être des lieux d'accès aux droits et au numérique. Des hubs territoriaux, un plan d'investissement de 45 millions d'euros porté par la Banque du Territoire qui va amener des lieux à se doter d'accompagnement numérique. Et enfin, des tiers-lieux, qui sont donc 1800 en France, et qu'on peut solliciter en plus des opérateurs bien connus du Conseil en évolution professionnelle. Les Français, deuxième idée reçue, les Français les Françaises n'auraient pas envie de se former. Une étude récente, juin 2019, montre qu'il y a 55% des Français et des Français qui ont envie de se former. Ça n'est pas neutre, ça c'est assez loin, des remarques là encore peut-être un peu rapides, qui prétendent que les personnes ne seraient pas en volonté d'apprentissage. 70% des salariés, dans cette même étude, envisagent une formation pour faire évoluer leur carrière. C'est plus 9 points par rapport à l'édition précédente de l'enquête. Je citerai toutes les sources juste après, c'est juste pour ne pas lancer le propos. Donc voilà, on a quand même 70% des salariés, et c'est une partie de la population, j'en conviens bien, qui a envie de se former pour faire évoluer sa carrière. On a donc des personnes qui sont majoritairement incluses numériquement, qui ont envie de se former, et qui prévoient, donc, à la mise à disposition de l'application mobile, de l'utiliser pour se former. Quel est le défi qui nous attend à ce moment-là? C'est d'informer sur les dispositifs de formation. Il ne suffit pas d'avoir une application mobile connectée à la 3G et d'avoir envie de se former pour accéder à l'information sur la formation. Encore faut-il que nous ayons conçu, en responsabilité, un moteur de recherche, par exemple, de la formation, qui permette à 33 millions de personnes, avec chacun sa différence d'approche, de son parcours professionnel, de trouver sa formation différenciée. Je vois qu'il faut aller un peu plus rapidement, donc j'accélère. Vous attendez avec impatience sans doute les services numériques qu'on a conçus pour l'application mobile. Si la salle devait le réclamer, et alors vraiment le réclamer, j'ai quelques planches pour vous montrer ce qu'on a prévu pour vous en 2019, mais pour simplement donner quelques lignes de force, quelques lignes directrices. Le service Mon Compte Formation, nouveau nom officiel du CPF au passage, le service Mon Compte Formation sera donc mobile first, mais il y aura aussi une version laptop, vous le voyez ici sur scène. On a travaillé avec beaucoup d'utilisateurs dans leur diversité, avec différents parcours professionnels, différents trajectoires envisagées, pour que l'expérience utilisateur soit au meilleur niveau de ce qu'on peut attendre dans une application mobile aujourd'hui. Et on a veillé à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Récemment. Pour répondre à Reynald, à Chapuis, on a veillé aussi à ce que pour celles et ceux qui ont encore leur feuille de paye de 2014, je sais bien que c'est un peu loin, avec l'application mobile, on puisse la photographier et l'injecter par la même dans le système d'information de la Caisse des dépôts pour que le montant en euros soit connu et ajouté au montant du compteur dont on dispose. Donc voilà, y compris sur les questions qu'on n'avait pas encore, qu'on ne veut pas encore poser, on a essayé de trouver des solutions. Les services de vos comptes formation sont donc utiles pour faire face aux transformations majeures du travail que rappelaient Olivier Véran et Roland Lescure ce matin. Et l'enjeu auquel on fait face, pour le dire en deux mots, c'est à la fois la massification, 33 millions de personnes, et la personnalisation. Je veux, moi, que l'application réponde à ma question précise sur ma trajectoire professionnelle. On a dessiné trois typologies de services différents. Des services souverains, d'abord, puisque si l'État nous a confié Mon Compte Formation, c'est parce qu'il nous accordait la possibilité de gérer la sécurité bancaire, de gérer la sécurité des données personnelles, de gérer la souveraineté numérique des utilisateurs. Et donc, ce niveau de service infrastructurel et de sécurité sera bien géré par la Caisse des dépôts en toute autonomie. Puisqu'on est dans la maison du peuple, on va se faire le plaisir juste de lire deux articles de loi, rassurez-vous, c'est des extraits. Le service numérique souverain qu'on va proposer, c'est ce dont parlait la table ronde précédente, à savoir le passeport numérique de formation. L'article 63-23-8 du Code du travail prévoit la possibilité pour chaque titulaire d'un compte de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de qualification, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire et qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue, ainsi que les acquis d'expérience professionnelle
etc. Donc vous voyez là qu'on a tout un enjeu avec l'écosystème que vous représentez. Jean-Marc Mériot parlait des données du système d'information du ministère de l'Éducation nationale. On va agréger les données de l'ensemble des déclarations, les DSM, les données de formation initiale et les données de formation continue, de manière à proposer à chaque titulaire de compte un CV fiable et exhaustif à valeur probante. Deuxième petit article de loi, c'est ce qui pose votre obligation, d'une licence ignorer la loi, mais autant le rappeler. Les ministères et organismes certificateurs, donc c'est vous et vous, procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires de certification. Vous avez à le faire donc. Pour en conclure, on proposera aussi des services complémentaires avec des acteurs d'écosystème, mais après que les marchés publics auront été attribués évidemment, et des services supplémentaires pour que les données dont on parlait jusqu'à présent soient disponibles et créer des valeurs d'usage complémentaires. J'en termine là. Merci beaucoup. En tant que Pôle emploi est un des grands acteurs de la formation professionnelle en France, et donc vous intervenez aussi dans l'accompagnement des personnes justement dans leur réinsertion et dans leur orientation professionnelle, et la formation est souvent un outil pour aider justement à cette orientation professionnelle. Comment est-ce que vous envisagez aujourd'hui la coordination entre mon compte de formation et puis le travail effectué par les acteurs de proximité comme Pôle emploi ? Bonjour à tous. Alors pour répondre à votre question, peut-être quelques éléments de paysage sur finalement pourquoi Pôle emploi est là aujourd'hui à parler de formation et de CPF. Donc en effet, Pôle emploi, dans ses missions, accompagne les demandeurs d'emploi dans leur projet professionnel et leur accès ou leur retour à l'emploi, et les entreprises dans leur projet de recrutement, contribue à réduire avec d'autres partenaires les difficultés de recrutement, en particulier en passant par la formation, et puis évidemment, met en œuvre l'ensemble des politiques publiques, et j'y reviendrai, il y a un terme quand même qui paraît important avec beaucoup d'argent derrière, qui s'appelle le plan d'investissement dans les compétences, et c'est pas neutre par rapport à l'accès à la formation des publics les moins qualifiés. Voilà, donc, dans ce contexte-là, Pôle emploi est un acteur important pour faire émerger les projets, les besoins de formation, les projets de formation, les envies de formation, avec toute la complexité et les subtilités qui ont été évoquées par les intervenants précédents. Et depuis plusieurs années maintenant, Pôle emploi est un acteur en effet de la formation en tant qu'acheteur et financeur de la formation, et en tant que d'ailleurs abondeur du Mon Compte Formation. J'essaie de bien dire le terme. Voilà. Donc ce que je vais vous dire peut-être en deux, trois mots, c'est donc en quoi on est d'ores et déjà, évidemment articulé avec la Caisse des dépôts et consignations pour, dans le cadre de Mon Compte Formation, en quoi donc, on accompagne les demandeurs d'emploi à connaître leurs droits et à les mobiliser, et comment en effet on va poursuivre en utilisant et en s'appuyant sur cette autonomie accrue, hein, puisque comme le disait Stéphane Nardi tout à l'heure, aujourd'hui encore, même si donc, un demandeur d'emploi peut mobiliser son CPF, on dit autonome, hein, si par exemple il a vu une formation éligible au CPF de 2000 euros, il a 2000 euros sur son compte CPF et il veut y aller, il peut tout à fait le faire. Le petit sujet, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il passe par Pôle emploi, même si tout ça est dématérialisé, ça fait des allers-retours et des échanges. Demain, il est sur l'appli et donc il fait sa dimension autonome. Donc voilà, il y a une autonomie qui est ouverte et donc permise à des demandeurs d'emploi, et en particulier ceux qui sont appétents et ouverts à ça. C'est pas forcément le cas de tous les demandeurs d'emploi, hein. Mais je vais vous expliquer aussi en deux mots en quoi on accompagne déjà les demandeurs d'emploi et en cas on va continuer et renforcer justement par rapport à cette sensibilité, à ce qu'implique le numérique. Le sujet est d'être dans l'inclusion et dans l'utilisation par les acteurs, les citoyens et les demandeurs d'emploi bien de leurs droits. Et puis j'en terminerai, si vous voulez bien, en deux mots, c'est dans le sens aussi de ce que disaient Philippe de Bruyne et Stéphane Nardi. La formation est essentielle, la formation est un levier, et à Pôle emploi, on accompagne les demandeurs d'emploi à se former pour trouver ou retrouver un emploi. Donc tout ça est finalisé, et qu'il me semble aussi qu'on rentre dans une... On démarre, on continue et on démarre une nouvelle étape de l'aventure en se disant que enfin, le CPF est une étape importante, mais que ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une démarche, comme le disait Philippe de Bruyne, qui n'est pas de la formation en soi. On ne se forme pas pour se former, on se forme pour développer des compétences, réduire les écarts de compétences. Et donc il y a tout un accompagnement se fait en amont de la formation, pendant la formation et après, pour que tout ça se transforme, transformer l'essai, comme on dit, en emploi. Alors peut-être aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Donc aujourd'hui, comme ça a été précisé précédemment, le CPF existe, hein, depuis plusieurs années.
Il y a eu donc des citoyens, des actifs, dont des demandeurs d'emploi qui ont mobilisé ce CPF. Mais en effet, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle intermédiaire, c'est-à-dire qu'il faut passer soit par les conseils régionaux, soit par Pôle emploi quand il s'agit des demandeurs d'emploi. Donc aujourd'hui, un demandeur d'emploi qui veut donc mobiliser son CPF passe par Pôle emploi au service donc au travers de services déjà dématérialisés. Donc voilà, ils ont une certaine aussi acculturation, les conseillers les accompagnent. Je ne vais pas épiloguer, ce n'est pas le sujet, mais on a évidemment une politique très active à Pôle emploi pour développer la littératie numérique, le fait que les demandeurs d'emploi soient à l'aise pour utiliser donc, le numérique, les réseaux sociaux et tous les usages dans une vue de recherche professionnelle et de recherche de formation. Et donc le demandeur d'emploi aller mobiliser son CPF via Pôle emploi. Et donc ça existe déjà aujourd'hui et ça continuera demain. Dans beaucoup de cas concernant les demandeurs d'emploi, Pôle emploi peut être conduit à ce qu'on appelle abonder, c'est-à-dire compléter en fait le montant apporté par le demandeur d'emploi avec son CPF, parce que le montant ne sert pas à couvrir la formation. Et on va dire sans polémique, il se trouve, on le voit nous tous les jours, c'est qu'en effet cette dimension par rapport à ce qui était dit précédemment, d'une difficulté à finalement comprendre mon compte formation, quand je dis CPF, au-delà des compétences, il y avait une difficulté pour un certain nombre de demandeurs d'emploi à appréhender concrètement ce que ça voulait dire un droit en heure. Là, aujourd'hui, c'est assez simple. Hein. On voit le prix, on voit 2000, ça coûte 2000, ça coûte moins, ça coûte 2005. Ah bah si ça coûte 2005, je vais peut-être aller voir demandeur de Pôle emploi pour lui demander s'il veut abonder. Donc il y a une dynamique, on le voit, hein, qui se fluidifie et qui s'accélère. Et donc, avant d'arriver comme ça, de toute façon, sur, je dirais, mon compte formation et les formations certifiantes, on a tout un travail à Pôle emploi, que ce soit donc évidemment l'accompagnement des conseillers, hein, tout ce que tu disais est évidemment inséré dans un ensemble de conseillers en évolution professionnelle. Il y a Pôle emploi, il y a l'émission Les Cadres, il y a Cap emploi, voilà, il y a plein de partenaires pour donc accompagner le demandeur d'emploi, un, dans son projet professionnel, vers où il veut aller, d'où il part, quelles compétences il lui manque, que ce soit des compétences de savoir-être professionnel, comme on dit, ou des compétences techniques. Peut-être que savez-vous, Pôle emploi utilise un référentiel compétences, nous sommes dans une approche compétences maintenant depuis près de 3 ans. Nous qualifions, nous présentons les offres d'emploi par compétences, les profils des demandeurs d'emploi aussi, ce qui permet aussi de faciliter la mesure de l'écart et le partage en échange de conseils en évolution professionnelle. Et évidemment, nous sommes en train de raccorder ça pour arriver plus facilement à « tiens, il me manque telle compétence, ah ben voilà les formations ». Qui vont me permettre de les développer. Et donc, il y a tout un spectre de formation, la formation qui va répondre aux besoins de demandeurs d'emploi. Ça peut être une formation certifiante, auquel cas il la trouvera sur l'application Mon Compte Formation. Et puis, ça peut être une formation qui n'est pas certifiante, mais professionnalisante, parce que toutes les formations ne délivrent pas des titres, ne conduisent pas un titre, et elles sont pour autant très reconnues des employeurs quand même. Hein. Et puis, avant d'être certifiées, il y a toute une méthodologie, heureusement, ce dont parlait Stéphane Mardi. Donc, y compris des formations émergentes liées au numérique ne sont pas massivement certifiantes, puisqu'elles sont récentes. Voilà. Et donc, Pôle emploi aide le demandeur d'emploi, et pareil, les missions locales, enfin tous les partenaires, à donc, identifier quelle formation répond à son besoin, et donc aujourd'hui déjà, et encore plus demain, à orienter le demandeur d'emploi vers le bon circuit de mobilisation. Aujourd'hui, Pôle emploi expose le catalogue des formations des CARIF, donc sur différents sites, en particulier Pôle emploi.fr ou la Prime Information, et je confirme, la Prime Information a une croissance de 20% d'utilisation par mois, c'est l'appli numéro 1 de Pôle emploi, donc il y a un usage d'appli hein, par les demandeurs d'emploi. Et au total, sur tous les sites de Pôle emploi, on a à peu près 1,5 million de visiteurs uniques par mois sur les sujets formation. Donc on voit qu'il y a une recherche. Donc demain, encore plus qu'aujourd'hui, on aidera le demandeur d'emploi à identifier la formation et donc à s'orienter avec des éléments qui vont s'intégrer informatiquement au fil du temps, directement pour aller directement sur l'appli Mon Compte Formation, j'allais dire CPF, dès lors que la formation est certifiante et que le demandeur d'emploi donc, a des euros sur son compte Ma Formation. Avec et en échange, on est évidemment en échange extrêmement resserré, que ce soit du point de vue du message du conseiller Pôle emploi ou des messages de l'appli quand le demandeur d'emploi sera en train de naviguer, des messages pour dire nous sommes là, nous vous accompagnons. Ne restez pas seul si vous avez besoin d'appui et si en particulier votre projet professionnel n'est pas mûr ou si vous n'avez pas très bien à trancher entre tel et tel type de formation. Donc voilà, il y a un sujet évidemment majeur hein, d'accompagnement et d'insérer le demandeur d'emploi dans un accompagnement s'il le souhaite avec
la valeur ajoutée qui nous semble, nous, très bénéfique, parce que c'est la politique de Pôle emploi et de la digitalisation, permettre à ceux qui sont autonomes, eh bien, de pouvoir accéder aux services et aux ressources dont ils disposent et à leurs droits sans devoir passer par Pôle emploi. Et puis, donc, pour terminer, évidemment, comme on l'a dit, tout ça n'épuise pas le sujet de la formation. Les sujets, quand même, pour travailler depuis quelques années sur la formation, les sujets techniques, technologiques et fonctionnels sont quand même assez majeurs pour faciliter l'accès de la formation, en particulier, en tout cas, je parle de ce que je connais pour les demandeurs d'emploi. Je suis arrivée, et donc il y a à peu près 3 ans sur ce sujet, où on était quand même à peu près à un niveau de dématérialisation zéro, hein, où quand on voulait demander une aide individuelle à la formation, il fallait faire jusqu'à 7 allers-retours, parce qu'il manquait toujours une case qui n'était pas cochée, il fallait revenir à l'organisme de formation, enfin voilà, on prenait 3 à 4 fois plus de temps qu'aujourd'hui pour obtenir le dossier complet et l'instruire. Donc la digitalisation, pour les demandeurs d'emploi, avec évidemment toujours l'accompagnement des conseillers à côté, c'est une démarche majeure. C'est avec la digitalisation qu'aujourd'hui, un demandeur d'emploi, il suit, comme quand vous commandez un colis, vous savez, vous avez la trace de où est-ce qu'il est le colis, etc. Et voilà, c'est pareil. Il en sait, il sait exactement quand il fait une demande d'aide individuelle à la formation, où en est le traitement de sa demande. Voilà, est-ce que donc elle est instruite, il manque une information, il manque quelque chose, il a consenti à mobiliser son plan de formation, elle est validée, etc. Donc il a tous ces éléments et c'est capitalisé dans son dossier. Donc c'est dans ce contexte-là où, je dirais, il n'y a pas de nouveauté marquante, hein, on passe pas d'un univers pas digital à un univers digital. On l'est déjà, et d'autant plus, c'est son sujet d'échange quotidien avec la caisse, très vigilant à accompagner. Et puis, dernier point, tout ça est dans un ensemble, qui est d'ailleurs porté par la loi et l'ensemble des projets gouvernementaux. Et en particulier, certes, il y a l'enjeu, bien sûr, que nous portons et que nous accompagnons de faire accéder, d'informer et de faire accéder à ceux qui le souhaitent, à leur compte formation, les demandeurs d'emploi les moins qualifiés. Mais il y a le plan d'investissement dans les compétences, 15 milliards sur 4 ans. Le plan d'investissement dans les compétences, c'est quoi? Ce sont des achats de formation par les conseils régionaux, au premier chef qui sont compétents sur la formation continue, les chercheurs d'emploi, et aussi Pôle emploi, qui est un acheteur important dans la démarche, donc d'acheter des formations pour les publics qui sont les moins qualifiés, pour accompagner cet effort et cet enjeu énorme de qualification que, évidemment, on partage, et leur mettre à disposition des formations. Voilà. Donc, ils auront, ces publics-là en particulier, auront un panel très large de multiples formations qui sont décidées, je vous rassure, par des travaux collégiaux, basés sur des données statistiques, des besoins de territoire, des besoins de recrutement des entreprises. Hein, c'est pas quelqu'un dans un comité Théodule qui se met à dire « je vais acheter ici ou ça ». Donc, tout ça est partagé avec le monde économique. Donc, il y a déjà beaucoup de formations qui sont mises à disposition des demandeurs d'emploi en général et en particulier des moins qualifiés, donc achetés par le plan d'investissement de compétences, et pour des formations qui répondraient à des besoins individuels mais qui ne répondent pas à des enjeux de territoire massif, eh bien il y a mon compte formation, avec si besoin l'appui de Pôle emploi pour abonder et l'appui d'autres abondeurs, je ne vous cite pas les articles de la loi. Tout ça pour l'emploi avec un enjeu, et je termine aussi, on est au début du projet. Voilà, pour les demandeurs d'emploi qui le souhaitent, bien sûr, et on est toujours à côté d'eux et on leur dit qu'on est à leur disposition. Et on est ici à la fin. L'enjeu, c'est de transformer la formation en emploi, donc de valoriser les compétences. Là aussi, on a tout un système, je dirais, de continuum, pour que le demandeur d'emploi s'y retrouve et sur l'appli et sur son compte, son espace personnel Pôle emploi. Et donc, surtout, de mettre à disposition des employeurs l'information sur les compétences que les demandeurs d'emploi viennent d'acquérir, avec, je dirais, une confiance évidemment très accrue. Passons par le CPF, et même si c'est un achat autonome, et d'autant plus que c'est un achat autonome, si je puis dire, eh bien, c'est une formation certifiante. Merci. Alors maintenant, je vais demander à M. Courbevès, en fait, que vous êtes récemment exprimé en faveur d'un accès à la formation qui soit plus rapide. Et puis qu'également une priorité soit donnée aux formations qui garantissent une insertion dans l'emploi. Comment est-ce que pour vous le compte de formation va contribuer finalement à atteindre ces deux objectifs? Oui, bonjour à tous. D'abord, la Fédération de la formation professionnelle, c'est la Fédération des acteurs de la compétence aujourd'hui. Elle rassemble à la fois les opérateurs de formation, les éditeurs de solutions numériques et aussi les certificateurs. Puisqu'on a beaucoup parlé de la compétence, mais il faut la certifier, la compétence. Donc on se veut être un lieu et une plateforme
de rassemblement en vue d'industrialiser un peu la compétence, de la massifier. Voilà donc un premier point. Alors, par rapport à votre question, nous on voit pourquoi nous soutenons l'idée du CPF. D'abord, premier aspect, c'est la Fédération de la formation professionnelle qui, en 1995, a proposé qu'il y ait un compte personnel formation qui soit développé. On partait d'une analyse, puisque nous, on représente les formateurs, les producteurs de formation, on partait de l'idée qu'il fallait que l'offre et la demande se rencontrent dans un lieu sans filtre, qu'on ait des personnes qui puissent choisir leur parcours de formation et les formations qu'ils souhaitent faire. Ce qui ne veut pas dire que le CPF aujourd'hui doit devenir dominant comme voie d'accès à la formation. Il doit rester. D'autres formules de formation que ma collègue a développées tout à l'heure, et elles doivent rester. Il ne s'agit pas de créer des formules concurrentes. Il s'agit de créer une voie d'accès à la formation des intermédiaires. Alors, sur ceci, les conséquences de l'appli. Alors, d'abord, nous, on considère que c'est un extraordinaire appel d'air à la formation, que d'abord, l'appli va être, on l'oublie un peu, mais un outil d'un massif d'informations sur l'offre de formation elle-même, alors qu'aujourd'hui, la formation, l'information sur la formation est éclatée. Là, un individu, une personne, un actif pourra connaître directement par rapport à son lieu, par rapport à la géolocalisation, l'offre de formation potentielle sur laquelle il peut avoir accès. Et ça, c'est un appel d'air, ça crée de la lisibilité, parce que je vous rappelle quand même que jusqu'à présent, la formation en France, c'est le parcours du combattant. C'est-à-dire que nous avons seulement 35% des actifs qui rentrent en formation, alors que tous les pays qui nous environnent, c'est 50%. Donc il faut quand même réfléchir à trouver des solutions innovantes qui développent l'accès. Alors ça, c'est un premier point. Et je pense que de là, on pourrait dire que on va changer en partie l'image de la formation, qui est en partie un peu administrée, image de complexité. La deuxième chose, on a un problème de l'appétence en formation aussi. Est-ce que le fait de faire rencontrer l'offre et la demande, nous n'allons pas en partie solutionner la question de l'appétence? Ça forcera d'ailleurs, en étant le représentant de l'offre, de s'adapter à la demande, réellement, et non de passer par un tiers qui fixait la commande de formation. Il ne faut pas l'oublier. Développer des modalités à un moment donné où les modalités, c'est le cas de le dire, de système de formation vont éclater. Le numérique, qui va permettre des solutions mixtes, le tout digital, mais aussi la nouvelle définition de l'action de formation qui ouvre la possibilité de la formation en situation de travail, la formation action. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le tout numérique, ce que j'entends un peu depuis ce matin, mais aussi on est dans un retour d'un certain nombre de formations, plus en situation de travail, avec l'apprentissage, le développement de l'alternance et la FEST. Tout ceci amène certainement un fort renouvellement des modalités de formation et de l'offre de formation et de l'offre, disons-le, d'action de formation elle-même. Alors, quels sont les points sur lesquels, en conclusion de cette première partie, il ne faut pas voir le CPF comme un système unique, opposé, je me répète, aux autres dispositifs de formation qui existent. Ça serait une profonde erreur de le voir comme ça. Alors, quelles sont les problématiques qui existent? La première problématique, c'est la relation entre l'appli et l'offre de formation. Il faut qu'elle soit simple, rapide,
que l'offre de formation puisse être réactive, c'est-à-dire que toutes les interfaces fonctionnent très bien. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, parce que si on a une offre qui n'est pas à jour par rapport à la demande de formation, ça ne marchera pas. Le deuxième aspect, c'est justement d'éviter l'isolement du CPF, et notamment le CPF ne résoudra pas tous les problèmes de financement des formations, notamment longues et certifiantes. Il faut avoir un accès au cofinancement simple, rapide. On a parlé tout à l'heure de l'entreprise. L'entreprise reste un grand prescripteur de formation. Il ne faut pas l'oublier. La formation s'est développée dans les entreprises dans un dialogue social gagnant-gagnant. Il faut le garder, le conserver. Et le CPF peut être un moyen. Les deux derniers points que je voudrais soulever, je suis un peu pessimiste sur la question de l'accès partout à la formation sur notre territoire, notamment à la fois les solutions mixtes, e-learning, parce qu'on a quand même, et de l'appui elle-même, beaucoup de zones blanches. Personne n'en a parlé. On a une partie du territoire où finalement ces types de formation, ces types d'usages, pour l'instant, ne sont pas accessibles. Il y a un dernier aspect. C'est une partie de la population, c'est l'électronisme. C'est-à-dire qu'elle touche des segments de population bien précis. Je pense notamment aux chômeurs de longue durée seniors, hein, qui sont les toutes petites entreprises, hein, y compris notamment le chef d'entreprise, qui sont du point dur, et alors que les besoins de formation sont très importants. C'est le thème de la table ronde. Je veux le mettre en débat. Oui, on va débattre. Alors, on va donner la parole maintenant à Monsieur Anakin. Oui, excusez-moi. Désolée. alors, vous, quelle est votre vision? Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec les... C'est la fin de journée. Je ne suis pas jamais, mais je ne suis pas quand on arrive en dernier. Les belles phrases et les trucs intelligents ont déjà été énoncés. Donc c'est une fois de plus que j'avais préparé des choses super brillantes, franchement. Non mais je suis sûr que vous avez encore des choses brillantes à dire. Oh, voilà. Donc, je mesure mon propos. Je ne suis pas convaincu par l'appli CPF. Silence. Comme outil unique de l'enrichissement des compétences. C'est ça, c'est fait. Mais j'ai toujours dit au cabinet en co, c'est bien, c'est un outil. Je vais vous faire des confidences, j'ai besoin de m'épancher. Nadal Federer. Nadal Federer, c'était magnifique. Ils vont encore jouer. Ouais, c'est dingue. Et j'ai compris leur secret. C'est la raquette. J'ai acheté la raquette de Federer. Je ne ferai jamais Wimbledon ni Roland Garros. Donc c'est bien, est-ce que c'est la raquette qui fait le joueur? Est-ce que c'est le pinceau qui fait l'artiste? Est-ce que c'est l'appli CBA qui sera très bien faite? Tu l'avais résumé, Jérôme, j'ai aucune inquiétude. Est-ce que c'est l'appli qui va faire l'enrichissement des compétences des uns et des autres? Pendant un an, j'ai embêté tout le monde avec mon histoire de Gisèle, peut-être que certains ne se souviennent pas, mais Gisèle qui est en Bretagne, c'est dans la région, pendant une heure, m'explique comment, elle demande comment l'aider à mobiliser son CPF pour faire les travaux de sa cuisine. Et demain, elle ne pourra pas sur l'appli faire les travaux de sa cuisine avec son CPF. Donc c'est vrai que c'est tous ces sujets-là. Ça dépend aussi si on veut rentrer dans une démarche certifiante ou si on veut se former. Oui, là, j'ai déjà fait Gisèle. Et c'est une copine de famille, donc je dis pas qu'on reprend le sujet. Donc je reviens sur le sujet de l'appli. Je suis convaincu que c'est un outil, c'est un support. Tu l'as bien dit, Président, ce n'est qu'un support. Ce n'est qu'un support, c'est un des éléments, c'est un des outils de la formation professionnelle continue. Alors, je prends deux ou trois exemples, hyper rapides, pour ne pas prendre trop de temps. Je suis missionné en ce moment sur un gros dossier, la thématique de l'illettrisme. Dans l'illettrisme, on a ce que tu as évoqué aussi, l'électronisme. Parce que tu passes à un deuxième mot chiffre. Ça veut bien dire que pour pouvoir se connecter, il faut connaître, il faut avoir un smartphone, il faut avoir une tablette. Bon, ça va vite progresser, on est bien d'accord. Il faut pouvoir le maîtriser, il faut pouvoir être accompagné sur le sujet, il faut pouvoir se connecter.
Et il faut être en capacité d'autonomie pour le choix ou sa prédestinée pédagogique. Donc je reste convaincu qu'il y a besoin d'accompagnement. Le CEP, pas le CEP, les organismes de formation, la transformation Pokémon d'aujourd'hui, la transmutation Pokémon des OCA en OCO. Ben, ça aussi, on aura donc les uns et les autres un rôle à jouer. Feu, les ex, le Fongessif, le transformement CETIR auront aussi un rôle à jouer. Donc c'est vrai que sur ces sujets-là, je reprends le terme de la journée, mettre le numérique au service de des compétences, j'en suis totalement convaincu, j'ai une bonne nouvelle, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Si on ne va pas assez vite, les nouvelles générations elles vont nous dépasser sans nous demander leur avis. Donc sur le sujet, deux, trois exemples. Sur l'illettrisme, en dehors de la mission, on a chez Eucalia, je le dis une dernière fois, parce qu'à la fin de l'année, ce sera plus Eucalia, ça c'est aussi la résilience, ça fait partie des sujets. On a fait une appli qui vient d'un didacticiel qui s'appelle Millimètre. Ça cartonne. On a fait 60 000 personnes. Mais 60 000 personnes sur le sujet de l'illettrisme, c'est rien. C'est 60 000 personnes qui se sont connectées parce qu'elles ont entendu parler en cours, et puis on est chacun face à soi-même sur le sujet. C'est un outil, c'est pas la solution, et il n'y a pas de demande de prise en charge ou de financement, parce que c'est gratuit. C'est une appli gratuite. On n'a pas solutionné, grâce à la solution digitale, la thématique. Deuxième sujet, on a mis en œuvre une espèce de TripAdvisor au booking.com de la formation, peu importe le terme, ou sur les fonds mutualisés pour les entreprises de moins de 10, de moins de 50, en partenariat avec les très bons organismes de formation de la SFP. Je le dis ici, voilà, ça c'est fait. Mis en œuvre des actions catalogues, mais de clics. Donc ça veut dire que l'entreprise, notamment moins de 10, moins de 50, comme pour une mutuelle, reçoit un SMS ou un mail pour dire bon, c'est pris en charge 100% sur les fonds mutualisés parce que vous êtes une entreprise de moins de 10 salariés. Bah, ça marche, mais ça ne résout pas tous les problèmes. L'étape d'après, c'est partir vers l'intelligence artificielle, style bah, ceux qui ont aimé telle formation ont aimé aussi telle formation. Mais ils ne reconnaissaient aucun site commercial qui a pu l'entendre dernièrement. Il y a ça, et puis après on pourrait aussi imaginer pousser ou pousser des MOOC spécifiques. En tout cas, c'est encore un nouveau monde ça, il va falloir l'explorer. Est-ce que j'ai le droit de toucher l'individu ou est-ce qu'il faut que je touche le DRH, le manager? Il y a encore tout à faire, il y a encore tout à faire sur ces sujets-là. Dernièrement aussi, on a initié avec une ligue de bienfaiteurs de l'alternance, un chatbot sur l'alternance qui s'appelle Walt, qui cartonne aussi, comme quoi on peut avoir de temps en temps des idées et ça fonctionne bien. Et c'est super un chatbot. Un jeune qui cherche à s'orienter sur l'alternance, avec le chatbot, aller à 85% de ses questions, il y a des réponses directement par un genre qui, un petit chat, qui lui répond, et ça marche. Sauf qu'à un moment, ça s'arrête. On a besoin aussi de l'humain. Et à un moment, lorsqu'on ne tentera pas d'un chatbot, il faudra un conseiller, non pas virtuel, mais quelqu'un qui prenne la chose en main pour l'accompagnement et dire, alors je parle de l'alternance, mais au niveau du salarié ou du monde, pas, ben, il y a le CPF, et le CPF, c'est un des outils de la boîte à outils. Donc, transformation, transmutation Pokémon, les OCA deviennent OCO, c'est comme ça, on y va. Le CPF sous forme d'appli, c'est comme ça, et on y va. Ça va marcher. On n'a pas le choix. Alors, évidemment, toute période de réforme fait qu'on avance qu'à un, qu'à un, c'est pas toujours ça. On prend tous les dispositifs, faut que toutes les circulaires et toutes les variétés soient arrêtées. C'est pas encore le cas. Voilà. Mais après, je vous donne une dernière histoire. Aujourd'hui, dans votre entourage, il y a des gens qui se forment sans se poser toutes ces questions-là. Sur YouTube, moi j'ai eu des salariés qui se sont formés tout seuls, parce qu'ils avaient besoin de connaître tel logiciel vidéo, tel logiciel de montage. Moi-même, j'ai eu un problème avec un ADSL une fois, je me suis débrouillé tout seul. Si. Je suis assez fier d'en parler devant une assemblée de celle-ci. Donc voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, leur sujet, c'est plus de trouver la solution, c'est de se faire certifier des compétences. Donc c'est aussi notre chantier qui va avec. Donc j'arrête avec mes bêtises. Certifier ses compétences, vous du point de vue du label RH, vous avez un bon point de vue sur tout l'écosystème de la tech RH. Et donc, qu'est-ce que vous voyez comme solution et services innovants qui émergent et qui justement aident à ces problématiques? Alors nous, on a une solution magique qui résout tous les problèmes. Voilà. Non, bon, vous voyez bien, le sujet est loin d'être aussi simple que ça. Et je tiens à dire à mes quatre collègues que je suis extrêmement honoré de faire la table ronde avec eux. Et que tout ce que je vais dire peut concerner leurs organisations, mais ne porte en aucun cas sur les personnes. Voilà. Puisqu'il se trouve, que j'ai un exemple pour chacun d'entre vous. En fait, c'est pas toi, mais c'est les autres cas. C'est pas toi, c'est l'un des tiens. Non, mais moi, ça fait. C'est tout jeune, hein, moi, ça fait 7 ans que je baigne dans l'affaire.
J'ai trempé dans l'affaire, ça m'a fait vivre aussi, comme beaucoup de gens dans la formation qui trempent dans l'affaire. Parce que bon, moi quand je vois le monde de la formation, et en France particulièrement, j'ai l'impression que c'est un peu la mafia qui se serait mariée avec l'ONU, quoi. C'est un truc, un monde très très particulier, extrêmement opaque et extrêmement inerte. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais je vais commencer. Donc j'ai eu la chance de gagner l'appel d'offres pour développer le compte personnel d'activité. Donc appel d'offres lancé par la DGEFP, opéré par la Caisse des dépôts sur le commandement du ministère du Travail. On a donc gagné cet appel d'offres sur un projet extrêmement ambitieux, 88 pages pour développer le compte personnel d'activité et mettre fin à cette bouse qui était le compte personnel de formation. Je me rappelle de la réunion où la ministre dans la pièce au ministère, et elle me dit voilà, quel est votre avis sur le compte personnel de formation. Et je dis le truc, c'est une bouse, j'ai essayé, j'arrive même pas à me connecter, c'est mal foutu. Et donc il y a une dame à côté qui fait, c'était moi la directrice. Et donc moi je lui fais, vous savez de quoi je parle alors. Et il se trouve qu'en fait, pour l'anecdote, c'est ce genre de choses qui font qu'on a après été sollicité dans les travaux pour aller plus loin et répondre à l'appel d'offres. Parce qu'il y avait une volonté, une réelle volonté d'aller plus loin et de proposer une réelle offre servicielle au-delà d'essayer de simplement proposer une extension à la plomberie, qui est le monde de la formation. Et en fait, donc un dossier de 88 pages qu'on a monté avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion et beaucoup de personnes issues du monde de la recherche en apprentissage, issues du monde du développement, de la formation, du digital, enfin du numérique ici. Et finalement, après être passé par les fourches codines du ministère, de la DGEFP et de la Caisse des dépôts, qui était pourtant la Caisse des dépôts l'acteur le plus proactif et de très loin sur le sujet, le plus innovant, on s'est retrouvé avec un dossier, finalement, le cahier des charges de l'application tenait en 8 pages. Et vous le voyez aujourd'hui, c'est le compte personnel d'activité qui a un petit peu évolué depuis, mais quelque chose d'extrêmement pauvre, qui ne change pas du tout, qui ne change pas l'usage et qui est extrêmement restrictif, parce qu'il y a pas mal de, sujets. Autre exemple, 2013, on lance la conception de l'Emploi Store avec Pôle Emploi. Qui sur le papier est quelque chose de vraiment formidable, puisque l'Emploi Store aurait pu être une extension fantastique du CPF. L'Emploi Store censé proposer tous les services qui permettent d'aider à la recherche d'emploi. Donc depuis « je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie », à « je cherche une formation », à « comment je prépare mes entretiens », tous les services possibles. Et donc avec l'idée d'un parcours sans fil, sans couture. Mené par Capgemini, je ne parlerai pas du budget, ce serait indécent. Mais tout ça pour aboutir à quoi? Sincèrement, un catalogue qui recense des liens de start-up et que j'aurais développé pour 20 000 balles. Réellement. Encore une fois, une ambition très très grosse, mais un éléphant qui accouche d'une souris. Et en fait, dans le monde de la formation, dans le monde de l'orientation, c'est quasiment systématiquement ça. C'est-à-dire des très belles ambitions, des gens qui comprennent vraiment bien les sujets, et puis au moment où on passe dans l'exécution, le truc est complètement pété de tous les côtés. Moi, je me souviens, sur le compte personnel d'activité, on a mis en place un test de personnalité pour permettre aux gens de mieux identifier leur profil et mieux se connaître. Deux jours avant le lancement, Mediapart qui contacte le ministère, est-ce que c'est vrai que vous comptez créer une base pour identifier la personnalité de tous les Français? Le ministère qui se met à paniquer, on enlève tout ça. Nous, on dit, non, tout est interconnecté, on ne peut pas l'enlever, c'est pas un microservice, vous n'avez pas voulu. Donc, du coup, tout est interconnecté. Et donc, dans le menu, ils enlèvent tous les liens, tout ça. Il fallait se battre pour aller trouver le test de personnalité, le truc complètement déglingué. Et donc, des exemples comme ça, sur ces projets-là, j'en ai des dizaines. Et donc, il y a un moment donné un problème dans la compréhension de l'exécution, entre l'ambition initiale et une fois qu'on exécute, comment ça ressort. Et derrière, il y a un problème dans l'alignement des volontés. Puisqu'il y a certaines personnes qui sont plus issues de la technocratie que de l'ingénierie pédagogique, qui pour le coup ne comprennent pas vraiment les sujets. Après, sur la formation professionnelle, j'ai envie de dire, aujourd'hui, la formation évolue un peu, mais je parle de formation initiale comme de formation professionnelle. Le monde de la formation, ça reste le 16e siècle. Littéralement, c'est-à-dire que comment est-ce que l'éducation est apparue? L'éducation était le domaine exclusif des prêtres, et les prêtres qui n'avaient pas de salle de classe étaient sur leur hôtel avec les gens devant sur les bancs de messe, et c'est comme ça qu'on faisait l'éducation. Et
400 ans plus tard, les salles de classe ressemblent peu ou prou toujours à ça. Et donc, le monde de la formation a eu tout le temps de se poser la question de est-ce que mettre les gens dans une salle et de leur balancer des trucs pendant 8 heures, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Bah, moi, je pense qu'il y a des vrais efforts de recherche et développement. Le CRI travaille beaucoup dessus, François travaille beaucoup dessus, que ce soit sur les notions d'ancrage, que ce soit sur beaucoup de notions, comment est-ce qu'on favorise l'apprentissage, par la répétition, par beaucoup de choses, par la réflexivité. Et en fait, le monde de la formation a eu tout le temps du monde pour se poser ces questions-là. Mais aujourd'hui, il ne se les est pas posé. Et aujourd'hui, on lance 15 milliards sur le PIC pour aller financer un truc dont on sait qu'on n'est pas capable de mesurer le ROI. Comment Pôle emploi aujourd'hui mesure le ROI d'une formation? C'est a priori, ça permet de changer de métier. C'est. Alors, tu vas pouvoir répondre. Tu vas pouvoir répondre. En revanche, qu'on nous montre aujourd'hui que Pôle emploi s'intéresse à l'efficacité des modes de formation et que Pôle emploi investit aujourd'hui avec les acteurs de la formation dans de la R&D pour optimiser l'assimilation des formations. C'est aujourd'hui, que ce soit le e-learning ou le physique, le e-learning, il y a même un taux de décrochage qui est plus fort en fait, hein, donc c'est pas forcément mieux. Mais il y a des modalités pédagogiques, de l'ingénierie pédagogique, il y a des acteurs comme Open Classroom qui s'en saisissent, par exemple, mais le monde de la formation en lui-même a énormément de progrès à faire, et d'autant plus sur un autre volet qui est pas nécessairement l'acquisition des compétences dures, mais tout ce qu'on appelle derrière les soft skills, autrement dit la capacité à apprendre, à réfléchir et à interagir, qui ne s'apprend pas dans une formation des mots de 8 heures, quoi. Donc moi je pose tous ces sujets-là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a d'extrêmement beaux projets, mais comment on fait, un, pour dépasser de l'état de l'art, et de deux, s'assurer qu'à un moment donné, on est sur du ROI. Merci. Peut-être quand vous verrez quelques éléments de... Si on ne puisse pas répondre à la question à le sujet, il faut être modeste et on est d'accord que, je pense qu'on est tous là pour ça, il y a une dynamique d'amélioration qui est enclenchée, il y a des moments d'accélération, il y a des moments de questionnement. Voilà, c'est comme d'autres choses, quand on avance, il y a des moments où on comprend mieux, donc on se rend compte que c'est plus complexe qu'on pensait, ça a été dit dans les tables rondes précédentes. Je crois qu'il y a une volonté collective et vraiment engagée de tous les acteurs de simplifier, d'améliorer sa formation. Pour revenir sur le point, donc Pôle emploi a une mesure de ce que produisent les formations qui est assez en lien avec ce que je vous disais sur son champ d'intervention. Donc à Pôle emploi, on oriente, on suggère de la formation, on achète, hein, et on propose des formations qu'on achète pour faciliter l'accès à l'emploi. Donc bah, qu'est-ce qu'on mesure à la fin? Bah, l'accès à l'emploi. Donc en effet, toutes les formations, que ce soit le Pôle emploi ou le Conseil régional, hein, ou d'ailleurs les POC hein, avec les OPCO, on a des échanges réguliers là-dessus, sont donc mesurées en termes de taux de retour à l'emploi, deux taux de retour à l'emploi, un taux de retour à l'emploi sur un emploi de plus d'un mois dans les 6 mois de la formation, et un emploi de plus de 6 mois dans les 6 mois de la formation, puis également dans les 12 mois. Je vous invite d'ailleurs à regarder si ça vous intéresse. Il y a une appli, enfin un espace, on peut dire, qui s'appelle Formadiag. Vous pouvez y accéder, c'est pas une appli, vous pouvez y accéder sur pôle-emploi.org et vous avez à peu près toutes les données en vision libre. Vous pouvez même télécharger les documents Excel. Donc Pôle emploi a 3 éléments de mesure. 1, le taux de retour à l'emploi, donc selon les types d'emploi et un certain horizon temporel. 2, le taux de satisfaction des organes des demandeurs d'emploi qui ont donc été formés et donc qui est organisé depuis des années avec un prestataire et professionnel donc de ce genre de mesures. 3, en particulier sur une expérimentation lancée avec le Conseil régional Île-de-France. Ce qu'on a appelé la ANOTA, qui est donc pas complètement le TripAdvisor, on l'a dit comme ça, qui permet aux stagiaires eux-mêmes de commenter et de noter, voilà, pour garantir l'horizontalité. On est quand même en 2019. Donc je ne dis pas que ça circonscrit tous les sujets, mais on a quand même une batterie d'éléments, et y compris qui aident à la décision les acheteurs de formation sur bah, qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est efficace d'acheter pour accompagner globalement la transformation des territoires.